Mesdames et mademoiselles, bonsoir. Non, moi, c'est Sandra Delisme. Et nous disons bienvenue à Téléborton et que vous acceptez nous pour nous capables d'entrer la Kaiwa Soya. Côté nous parlons un peu de Haitian Community Partners, qui est une organisation dans la communauté haïtienne. Moi, j'ai gagné ensemble avec nous, présidente Madame Marlene Amédée, qui va parler nous un peu de qui ça HCP stand for et puis les capables de nous plus de détails. À vous, Madame Marlene Amédée. Bonsoir Sandra et merci d'être que nous invité l'organisation à Téléporton côté que pour nous venir plus d'informations qui ça Haitian Community Partners a fait dans la communauté et comment que nous avons servi la communauté. Nous sommes ensemble avec moi jeudi à que Wisner qui est avec nous et tant que introduction plus on va besoin faire toute introduction ça. Bonsoir à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, excusez, téléspectatrices Téléporton. Et son plaisir pour que nous là, comme Madame Marlene Amédée déjà, et que moi-même, moi c'est Wisner Dorsey, moi c'est secrétaire et adjoint, secrétaire trésor adjoint dans HCP. Alors nous là, soyez dans le cadre d'une invitation spéciale pour que nous capables de parler de programme. Et on y a un programme spécial que HCP gagne que m'a quitté Madame Marlene Amédée lui-même. Font y parler de HCP et puis après pour que nous capables d'introduire le programme ça que nous venons parler de lui-même à soir. Merci Wesner, merci Sandra et moi salue tous les téléspectateurs qui regardent l'émission ça aujourd'hui. Hein. So sujet que nous avons débattu à soir, c'est que nous voulons venir communauté à pas venir communauté à continuer à parler de Haitian Community Partners avec la communauté. Qui ça Haitian Community Partners et qui ça que nous fait dans la communauté. Mission nous c'est pour nous travailler ensemble avec toute l'autre organisation qui est dans la communauté, organisation religieuse et non religieuse. Pour nous voir comment que nous capable faire communauté par nous plus fort et pour nous capable intégrer dans tout ça qui a passé dans la communauté côté n'a vivre là qui c'est Brockton. Parce que communauté haïtienne là des fois nous pas tellement engagé même gens l'autre communauté engagé. So communauté Haitian Community Partners c'est travail ça n'a fait pour nous capable intégrer communauté panouan dans ça qu'a fait dans Brockton. Alors ça moi t'as pas ajouté à partir de ça Marlene dit en tant qu'organisation communautaire c'est que HCP travaille pour renforcer et communauté haïtienne à tout point de vue sur le plan éducatif surtout pour jeunes à travers différents programmes et que nous gagnons et gagnons de leur programme ensemble avec et grand monde ça veut dire que HCP lui-même est censé englober tout groupe de toute tranche d'âge en façon pour permettre que lorsqu'on est communauté haïtienne gagne tout le monde qui vit là-dedans mais en majeure partie gagne petit monde jeune ensemble avec jeune adulte et puis vieillard mais tout groupe monde ça toute catégorie de monde ça yo rejoignent en dans organisation ça qui c'est Haitian Community Partners. So en un mot nous capable de comme gagne un proverbe un old saying that says nobody left behind. Parce que nous avons des petits monde, des grands monde, des personnages, quel que soit l'âge de nous, pour nous capables de faire le pas, pour nous ne pas sentir que les en dehors de la communauté, les bonnes pour que nous capables de participer là-dedans. Si nous comprenons, c'est ça que vous voulez faire, communauté, on comprend. C'est ça lié même, c'est ça mission, nous que nous ne pas quitter personne de dehors et le cercle. Tout le monde suppose bien rôle, tout le monde a une façon que nous capables de contribuer dans la communauté et nous avons façon que nous-mêmes nous travaillons ensemble avec tout le monde pour nous voir comment nous sommes capables de faire intégrer plus dans la communauté. Il y a ça que je voulais dire encore. Non seulement Haitian Community Partners, nous avons deux branches dans Haitian Community Partners. Mm-hmm. Nous sommes un non-profit qui est en faveur anti-tout. En même temps, nous sommes un non-profit qui est en faveur anti-fort. Côté que faveur anti-fort, bah nous possibilité nous-mêmes tout pour nous capables d'entrer dans les affaires et politiques. Qui garde et qui passe dans la communauté. Donc, mm-hmm. So, des fois, les gens attendent à Haitian Community Partners à supporter telle personne, c'est parce que ils travaillent sous branche Haitian Community Partners Services. Mais nous attendons que Haitian Community Partners travaillent dans les affaires sociales, que Favon si faut à faire tout, mais nous plus engagés nous avec les affaires sociales avec Favon si client qui c'est Haitian Community Partners Foundation. So nous avons deux embrés là côté que nous travaillons nous là pour nous faire communauté noire qui faut dans toute catégorie.
Alors, et ça va ajouter tout, c'est que Asian Community Partners et les gagnent différentes activités que les entreprennent dans la communauté. Et nous, c'est ça qui fait nous gagner tout un programme annuel, côté que en mars, nous avons gagné gros fundraising galano que nous toujours fait chaque année depuis l'existence de l'organisation environ 2 ans. Et dans le mois de mai, côté que nous vraiment fêter ensemble avec tout maman yo parce que Asian Community Partners vraiment bah maman un paquet d'importance parce que qu'on est important son maman gagne dans communauté. Alors c'est dans ce sens Asian Community Partners lui-même lui toujours honorer maman yo et que gagne de l'autre activité que nous fait ensemble avec l'église yo. Ça veut dire que Asian Community Partners c'est pas une organisation qui travaille pour compte, il travaille avec de l'autre organisation qui est dans la communauté, de l'autre organisation communautaire qui a le même objectif ensemble avec lui. Il travaille tout ensemble avec de l'autre institution religieuse qui rejoint dans une série de programmes sociaux que l'a fait dans la communauté. Mais pour plus précis, il y a plusieurs parties dans le récipient que Ambrella que nous avons parlé là à soir là. Mais pour le moment, pour Aswayan là, ce qui point spécialement que nous voulons venir pour la communauté en capable de comprendre spécifiquement qui ça que nous avons parlé à soir. Qui but à soya, c'est parce que nous avons un programme et que nous entreprenons ensemble en collaboration ensemble avec l'église Bolton. Church of God, right? So nous avons l'église de Dieu de Bolton, l'église de Dieu de Bolton. Côté que collaboration ça que ça a fait, c'est que n'a c'est une appréciation, un jour d'appréciation pour jeunes nous. Nous disons ça, jeunes nous, nous pas voulons seulement que c'est maman, yo, c'est famille, yo, c'est l'école là seulement, cap bayo des pouces seulement. Bon, nous, dans la communauté, nous sommes obligés d'encadrer les jeunes, nous sommes obligés de supporter eux, et de faire connaître le travail qu'ils ont fait, nous-mêmes, nous bénéficions. Même si nous ne bénéficions pas directement de nous-mêmes, nous bénéficions indirectement de nous-mêmes. Nous sommes obligés de supporter et de faire encouragement. Ça fait que Haitian Community Partner, en collaboration avec l'Église de Dieu de Bolton, mettait les journées ça sous pied, qui c'est une journée d'appréciation pour jeunes timon de café 5e année jusqu'à 12e année. Côté que nous disons que ça a honoré 50 timon qui gagnent plus bon gré. Nous n'étions pas fait plus que ça, mais nous capi à 50 parce que c'est la première fois qu'on a fait n'a essayé faire pour nous voir comment que la tourner la marché. So si nous voyons que les marchés puis marchent bien, so on a continué chaque année et puis côté que nous capable bien plus timon, nous capable prendre plus timon. Nous dit que on aurait 50 timon, n'a baillé un trophée avec un certificat. Et en même temps, nous gagnons comment jeune Jean qui nous gagnons en Gironville. Jonathan Gironville. Pourquoi mm-hmm. Quand tu parles de lui-même? Alors, Jonathan Gironville, c'est un jeune et qui est censé graduer dans Bolton High School et qui gagne et grant Bill Gateson, scholarship Bill Gateson, ça veut dire que bourse d'études Bill Gateson pour 4 ans d'études. Mm-hmm. Et le fait que son jeune haïtien qui décroché qu'aucun m'te ka di qui fait gros travail ça, alors nous voulons que jeune ça lui même li vinn encourager ti moun yo vinn font ti parler ensemble avec yo nan journée ça que nous relé student appreciation day là, côté que li pral expliquer ti moun yo que yo gen intérêt pour que yo kembe ensemble avec l'école, yo gen intérêt pour que yo accorde yon paquet d'importance avec éducation. C'est ça même que Etipi a fait, c'est encourager jeunes yo à travers différents programmes et que c'est ça qui fait li mette programme ça sous pied pour que capable honorer 50 timoun sa yo qui censé faire de bon gré de l'école et à partir de là pour que l'autre timoun tout qui peut-être pas pendant l'année scolaire là qui pas travaille bien pour que capable vienne sensibiliser pour dire comme ça que si une organisation haïtienne cap encourager nous-mêmes étant que jeunes haïtiens ou bien petits haïtiens pour que nous travaille bien l'école, eh ben nous gain intérêt pour nous travaille bien l'école pour que l'autre année tout nous-mêmes nous décocher et trophée par nous décocher certificat par nous. Alors ce travail ça que Tipi a fait, c'est pas première fois la faire parce que bon programme qui déjà marché et ensemble avec jeunes yo, moi Maline capable un peu de mots capable parler de programme ça.
the youth leadership. On va continuer avec le programme youth leadership là. So, je voulais dire que le programme ça que nous avons mis sous pied, c'est la fête vendredi cap 26. Côté que c'est dans l'église de Dieu de Bois qu'on l'a fait, c'est là qu'on a fait un style en cook-out. Côté Timonio a venu, qu'il y a mangé un hamburger avec hot dog, n'a pas au jus. Que pour ça que n'a pas eu en collaboration avec les gens, et puis pareil, a venu pareil pour venir célébrer ensemble avec eux. C'est le 26 de 6h jusqu'à 8h30. Nous voulons inviter la communauté pour venir participer ensemble avec nous et venir encourager tout le monde pour le travail que vous faites pendant l'année. Pour le monde qui ne connaît pas l'église de Dieu de Boston, c'est dans 80 Pleasant Street. C'est l'église qui est dirigée par le révérend Bishop Maximon ensemble avec Marie Simon. Et puis, l'autre question que moi j'ai pour vous, c'est quand Simon Sao, c'est qui côté y a sorti? Est-ce que c'est on à part de l'église de Dieu nous gagne cap participer là-dedans ou qui l'autre l'église encore que nous gagne cap participer? Nous gagne plusieurs églises cap participer parce que nous t'envoyer flyers dans bas plusieurs églises que nous fait connaître que puis on fait timonio venir enregistrer et puis nous gagne un spot qui dans radio pareil que t'a passé dans planète compas, il passé dans télé Boston qui timonio pour venir enregistrer dans local Haitian Community Partners qui est 71 les jeunes Parkway suite 22. So nous avons plusieurs l'autre côté et puis nous voyons invitation tout by l'autre pasteur qui pas pasteur haïtien pareil que pour nous inclure toute la communauté Boston. Nous li dans Facebook et dans social media que nous mettez que pour nous venir enregistrer que puis capable participer. De très souvent les montants de registration they usually il y a toujours pensé gonfler. Est-ce que gagnon fait pour ça pour nous faire mon yo connaît que yo pas gagne corps pour yo payer yo pas gagne corps pour yo payer c'est simplement aller enregistrer timon yo juste pour HCP capable aider timon yo faire parents connaît que yo pas pour compte yo yo gagne mon ensemble avec yo tout c'est les fruits parce que si nous dit n'a pas apprécier un monde nous quoi nous pas demander parents pour payer pour yo venir pour apprécier timon yo parce que c'est l'église en dit moi même si mon pas nous fait bien comment que nous qu'à travailler avec organisation qui est Haitian Community Partners pour nous mettre en bagage non seulement c'est pas si mon l'église moi seulement que moi honoré bon c'est tout si mon qui dans communauté là so et activité ça sont activité qui fruit que pareil au pas 5 ans pour bail nous même dans SCP avec l'église de Dieu chercher un sponsor pour aider nous couvrir cost là et tout le bagage qu'a fait que c'est fait pour nous capables d'apprécier jeunes nous pour continuer à travailler à faire. Alors ça seulement que nos besoins c'est pour parents capables de venir en foule depuis qu'ils ont fini de faire ou registration pour nous faire connaître que the works are not in vain. Yes. Et que nous sommes ensemble avec eux qui pourront apprécier tout. Yeah. Même là que des fois they feel like okay they want to give up but there are other people behind them that are going to support them. Ok, et bien voilà mes chers amis, nous tendez comment Madame Amédée parler ensemble avec nous. Et les gars plus de détails toujours, et monsieur est certain que les pourra parler ensemble avec nous toujours. Qui ça qu'on t'a aimé faire communauté en connaît encore de plus de HCP? Moi, ça m'a aimé communauté à connaître de SCP. SCP est un programme, Youth Leadership Programme, qui c'est un 16 weeks programme côté que ti moun la di nou konsa que m besoin yon docteur, m besoin yon ingénieur ou bien m besoin avocat. Ben ta vle vini yon docteur, m ta vle vini yon avocat. So nous même nous chercher et on firm qui gen avocat la dan côté que nous mettez ti moun ça et avec avocat ça pour yon pour 16 semaines, ti moun ale yon fois par semaine. Et avec avocat côté que la prendre qui ça avocat qui travaille qui gen nan bien ou c'est un avocat qui travaille qui vient dans l'étude. What does it involve? Yeah, so that bâtiment n'a une idée. Est-ce que ça c'est vraiment c'est ça me faire? Then every other Saturday, deux samedi sous quatre que yo vini dans Haitian Community Partners côté que nous fait différents workshops pour yo. Quel que soit workshop là sous financial ou bien workshop plan sous civic engagement ou bien workshop plan sous self esteem nous chercher
différents providers qui viennent par différents workshops every other Saturday pour Timounio, côté que pour nous KKBO engagé. Et puis après cette semaine-là, parce que nous travaillons en collaboration ensemble avec Harbor One ouvre un account pour avec un sac qui a un job, ou bien qui a 18 ans qui a un job, Harbor One ouvre un line of credit pour $500. Mais ça qui n'a pas un job, avant on ouvre un account pour $25. Et puis nous même dans HCP, nous contribuons pour nous mettre en $50 pour eux, à ce incentive pour dire nous apprécions tant que vous venez passer ensemble avec nous et nous continuons nous dire bonne chance dans la vie éducative pour nous encourager pour continuer là. Non seulement ça, nous faisons programme ça, nous faisons deux sessions dans le programme. La première session, nous travaillons en collaboration ensemble avec YMCA, nous travaillons en collaboration ensemble avec Walgreens, nous travaillons en collaboration ensemble avec Dr. Wezil, nous travaillons en collaboration, Kounia nous travaillons en collaboration ensemble avec Boston Hospital, nous travaillons en collaboration avec Siskin, c'est son law office. Nous travaillons en collaboration avec BCA, qui c'est Brockton Community Access. Nous travaillons avec Meilleurs Offices, côté nouveau Timounio qui besoin, le dit a fait besoin politique, nous voyons dans Meilleurs Offices. Hein? So, nous travaillons ensemble avec Law Office Lawton, côté nouveau Timounio dans l'officio pareil. So, nous avons plusieurs autres organisations que nous travaillons ensemble avec le côté nouveau Timounio. So, non seulement Timoun sa ou 16 semaines sa ou Timoun sa ou gen yon idée de carrière que vous voulez aller, mais ok, yon fait yon créé un network. Yon créé un network côté yon t'allez faire et mentorship sa, li vini yon référence pour yon. Dans la première 16 semaines, nous avons 13 Timoun, gen 11 qui finit college, qui finit high school année sa. Et then gen 3 là-dedans qui YMCA te bay un job. Et yon la de yo, li become yon ambassadeur pour YMCA parce que le YMCA fait quelque chose d'activité, c'est lui même que t'as représenté ni Haitian Community Partners ni YMCA. Therefore, que programme ça son programme pour encourager les jeunes yo, et pour dire jeunes yo comme ça que yon même yon se futur nous. So okay. Nous même nous obligés investir dans yon, nous obligés encadrer yon pour nous bay au support que nous kabay pour futur quand nous gen wap et capable d'en. So c'est un ma connaissance là mais en question mais pour yo leadership là c'est à partir de quel âge que nous accepter timon yo pour yo capable aller dans internship ça, est-ce que c'est parce que nous connaît de très souvent les timon là prêt pour graduate school, c'est le ça puis l'école yo a bio counselor. OK, mais qui côté que moi que you have some strength so t'essayer pour aller dans telle section, aller dans telle comment dirais-je que moi que c'est là que ou gain strength. So est-ce que c'est sous par rapport, est-ce que c'est sous dernier année high school là que nous mettez timon yo dans internship là ou bien depuis dans 9e grade? Nous commencer ensemble avec 16 ans, non juste 16 ans. Okay. So long 16 ans, les 16 ans jusqu'à 21 ans. Okay. So c'est de là ça nous pas mettez dans grade parce que nous gain droit gain timon gain 16 ans, il pas dans Grade, parce que nous disons 16 ans parce que c'est là ça que Timon n'a qu'à gagner un job, c'est là ça que Timon n'a qu'à faire une série d'activités pour lui que les autres gens que il y a plus responsabilité parce que c'est leur place en Timon dans une autre organisation, Timon n'a supposé gagner une série de maturité que il est capable de rester comme ça. Mais est-ce que nous garder sous grade Timon n'a d'abord avant que nous voyons l'internship ça? Well, il y a une application que vous faites et puis il y a un certain de questions que vous supposez répondre. Qui ça que vous voulez? Il y a un certain de questions nous poser et base gens nous questions et gens Timon n'a répondre questions yo. Des fois nous fait triage, nous dit ok nous accepter ça, nous pas accepter ça, base gens Timon n'a répondre questions yo. But so far nous pouvons toute application nous jeunes nous by tout Timon yo opportunité. So nous pouvons jamais faire l'application côté nous dit comme ça non nous pas pour Timon ça. But tout Timon qui vient yo toujours yo welcome à participer dans le programme ça. Année ça nous voulons prendre 16 Timon qui a commencé pour là plus que ça, nous prenons 20 Timon pour qu'a commencé pour en septembre.
OK. Mais est-ce que nous gagnons une façon pour nous capables de récupérer tant que tout monde que nous pas accepté yo, ça qui pas ta gagne chance pour capable participer dans programme là. Est-ce que nous gagnons façon pour nous capables de build them to let them know okay, it, this is not the last step. You can still try on, but at the same time nous font façon pour nous capables boost self esteem tout monde là pour les pas comprendre que okay, I'm not worth it. Okay, I want you avec ça comment faire du comme ça que nous pour joindre nous pouvons joindre nous aussi mon côté que nous arrivé rejeté arrivé mais nous croyons que si ça t'a arrivé nous t'avons fa- en façon que nous mettez à poche pour capable de supporter tout le monde ça on peut essayer encore parce que au gain doit mettre l'application première session on part après la dame au gain doit rester encore et puis deuxième session l'autre session qui va venir on doit participer la dame so. Donc but juste parce que nous connaissons dans life ça nous vraiment sensible yes. So we have to boost their self esteem so si toutefois que nous pas ta go gon plan bot li ta préférable pour nous gon plan mettre là déjà nous comprendre parce que à l'âge ça des fois ti moun nan li vraiment you know fragile m'pa di sensitive nan terme haïtien pa nou n'a di que ti moun nan fragile nous comprendre pour nous capable gon façon pour nous capable récupérer li okay this is not the last try but you can strive you know you can come back and try again pour nous capable aider ti moun yo okay. Alors ça m'a été là, j'étais par rapport avec ça, c'est parce que Etipi lui-même lui vraiment croit dans le futur. Le croit dans le futur, c'est dans les jeunes, c'est dans les gens qui ont investi. C'est ça Etipi a fait là exactement étant qu'il y a une organisation communautaire, la point dans qui mesure, il est capable de toucher et groupe de cas de tranche d'âge ça. Les gens commencent depuis 7 ans et en up. Et puis jeunes, yo, et surtout leur presque fini high school parce que en pile là dans le collège Jean-Marie t'a dit tout à l'heure et des fois ils finissent rentrer dans le collège et puis le ça dit ah bon il va ça me te veut etc mais c'est pour éviter et genre waste time and waste money qui fait que programme ça a venir pour permettre que tu monde depuis avant il était focus il dit ah me senti mal à l'aise dans branche ça me senti mal à l'aise dans discipline ça le fait que discipline te permettre que ils font en sorte de training etc il vient sentir vraiment à l'aise et puis il avance dans le domaine sans difficulté. OK, moi pas connais si nous gain ça gain en plan déjà. Tant qu'on gain parents haïtiens yo nous connais que en pile là-dedans yo the working hard pour yo capable provide pour petit yo comme ça tout même gens que nous gain brothers côté Denzel Washington gain un club I think it's YMCA something like that côté que les gain un paquet de monde. Là que tout monde n'avait sorte l'école temps pour la caler pour chita pour pas faire devoir soit pour dans télévision. Est-ce que HCP gagne une organisation comme ça gagne on pas dans organisation en côté si tout monde n'avait sorte l'école il pas capable gagne parents la caler qui pour porter une supervision sur lui. Est-ce que HCP gagne un côté que quelque tout monde capable venir pour capable chita là pour capable faire devoir yo en même temps tout provide des attractions pour yo pas ça yo pendant que et puis qu'on y a là le parent yo vient sur travail pour parent vient chercher yo. Ouais, nous pas gain capacité ça. OK. Mais c'est un bagage que me pas connaît l'aime t'a dit l'année dernière dit peut-être pas l'année dernière dans annuel gala non nous dit comme ça c'est plan SCP. En côté que nous gagnons local côté que nous apporter plus support à la communauté haïtienne. Votre c'est travail sur ça, votre nous pas capacité pour ça. Son projet qui m'a dit financement là-dedans. Mais c'est pas pour autant que pas des gens de programme ça. YMCA gain nous partenaire ensemble avec YMCA. So, c'est ça que y a cherché pour communauté haïtienne connait que qui ça YMCA fait. YMCA pas seulement aller faire exercice, c'est activité sportive seulement qu'il fait. But YMCA il est engagé dans sa affaire sociale. Il a les petits mon before care, ça veut dire avant 6 heures avant l'école là et puis les petits mon après l'école là. Et si parents yo pas ta gagne cob pour ta payer pour et programme after care ça yo, gagne scholarship que yo bail, gagne voucher que yo bail que yo toujours encourager mon yo aller lui demander qui sont qui gens que yo capable aider si ou pas financièrement yo pas ou pas capable supporter. Ou pas capable de fournir, yo même y a cherché une façon pour être capable de supporter. So communauté a supposé prendre opportunité ça yo avec organisation YMCA qui dans communauté. OK, eh bien moi content pour que vous êtes capable venir ensemble avec nous madame Marlene Amédée ensemble avec frère Wesner Dorsey.
pour que nous soyons capables de parler avec la communauté haïtienne là, de qui ça HCP stand for. Bon, mes chers amis, nous avons des informations. Nous avons souhaité que nous prenions ça à cœur pour nous capables de voir les gens, surtout dans l'événement qu'il y a 26 vendredi 26 qui a fait dans l'église de Dieu de Boston. C'est encore une fois, c'est dans 80 Pleasant Street dans l'église de Dieu de Boston pour nous capables. Encourager tout le monde nous pour nous capable faire connaître que their work are not in vain et que nous gain support, yo gain support non seulement parents yo, mais nous gain support ensemble avec communauté hein, qui d'ailleurs yo qui pour booster qui capable bailler toute aide que yo besoin que possible. Bonsoir et bonne nuit. Merci. Est-ce que merci invité nous dans la téléphone. Et merci et que n'attend toute communauté avant le 26, encore une fois ça 80 présent suite. It's a generation. Embrace this. Come on, tell them. Here I am. Here I am.